Eh, tu devais pas dormir? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspense. Où t'as trouvé ça? Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre? Ben... Tiens, ça te rend un peu nostalgique? Tu sais, ce truc date en fait d'avant mon époque. Oh. Mais c'est une belle trouvaille. Bon, c'est mieux que rien. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Il n'y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Wouah! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça! Attends un peu, je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut! Tu sais quoi? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir? Je suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. Oh, on fait quoi? Fais chier. Doucement. Pitié, aidez-moi. Est-ce qu'on va l'aider? Attache ta ceinture, Ellie. Et ce type, alors? Oh, il est pas blessé. Ça va, je vais bien. Alors descends, vite.
Oh la vache! Qu'est-ce que... Bon, je crois qu'on les a tous eus. Ça va? Ouais, je crois bien. Tant mieux, parce qu'on doit foutre le camp d'ici. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer. Bien reçu. En tout cas, hors de question qu'on ressorte par là. Allez! Vas-y! Essaie de trouver un truc pour la retenir. Il y a des trucs vraiment dégueux par ici. Allez! Ouais. Ok, vas-y. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Foutu chasseur. Ça aurait pu être nous. La vache. Tous ces gens ont vraiment pas eu de chance. Je savais que j'aurais dû prendre une autre route avec le camion. On est en vie? Tout juste. Fichons le camp d'ici.
Comment t'as su? Sur quoi? Pour l'embuscade. J'ai déjà été à leur place. Oh. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Oh. Je prends ça pour un oui. Oh. C'est ici que ces connards dorment. Enfin, dormaient. Cet emplacement est bien. Ouais, ça a l'air bien. Peu importe, ne restons pas là. Bon, voilà le pont, c'est notre sortie. Ellie, ralentis, attends-moi. Quoi? Je suis là. Laisse-moi passer devant, tu veux? Et puis parle moins fort. Ok. Qui va me rendre fou. C'est génial. Je suis sûr qu'elle y aimerait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis chasseurs ont fait ça? C'est tes potes les chasseurs qui ont fait ça? Très drôle. Non, je miserais plutôt sur l'armée. Pourquoi ils auraient tué tous ces gens? Pour ne pas avoir à les recueillir. Et ils les ont tués? Et les morts ne risquent pas d'être affectés. Les sacrifiés pourraient en sauver un grand nombre. Ah, ça craint. Ouais. C'était quoi? Je sais pas.
Où est-ce que t'as appris à tirer? Allez, vite! Il y en avait plein, et tu les as tous ratés. Toi, je vais pas te rater. Waouh! Arrête, tu me fais peur. Bah, si jamais tu veux des leçons, n'hésite pas, je peux t'aider. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait être là. Il surveille la nationale. Ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient chopé un autre groupe d'intrus. C'est une vraie mine d'or là-bas, les Vénards. Regarde si tu trouves des trucs dans le coin en les attendant. Y a rien ici. On continue. Fais chier. J'en ai ras le cul d'attendre. Allons voir ce que foutent ces guignols. À chaque fois, c'est pareil. Putain, si jamais ils nous cachent encore quelque chose... Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Ouais, je verrai. On y arrivera. Waouh. Ça fait bizarre de voir un poste de contrôle sans soldats. C'est à ça que ressemble la plupart des zones. Cet endroit est abandonné depuis un bout de temps. Donnez-nous nos rations. Pourquoi ils n'ont pas donné à manger? Des fois, ils n'en avaient plus. La plupart du temps, ils la gardaient pour eux. Ça, c'est jamais arrivé à Boston. Crois-moi, ça arrivait tout le temps. Ne fais pas de bruit pendant qu'on traverse cette zone, ok? Ah ouais, t'as anticipé à ça. J'en ai pas de bruit.
Ouais, cette fille-là, elle voulait pas lâcher l'affaire. J'ai jamais vu quelqu'un se donner autant. On a buté tous les autres en 5 minutes, mais elle, on a mis 5 heures à la retrouver. Putain, il y a des fois, c'est vraiment pas facile. Ouais, c'est clair. On allait laisser tomber, mais là, elle a commencé à nous tirer dessus. C'est con, elle aurait pu filer. J'ai demandé à deux autres types de l'occuper. J'ai sorti mon fusil, j'ai aligné sa petite tête dans la ligne de mire et bah, fin de l'histoire. Merde, t'aurais peut-être dû la ramener, tu sais, pour en faire une démo. Non, pas moyen. Cette fille, elle nous aurait tous tués dans notre sommeil. Le boss dit qu'on est assez nombreux pour s'étendre. C'était un nouveau boss. Mais c'est toujours les mêmes conneries. Je sais pas, maintenant qu'on est assez pour garder toutes les sorties, il dit qu'on peut agrandir le périmètre. Mais qu'est-ce qu'on va vraiment y gagner? Je sais pas, on trouvera peut-être de l'essence pour faire tourner plus de générateurs. J'aimerais bien retaper un de ces vieux projecteurs pour mater des films, tu vois. C'est des foutaises, tout ça. J'ai entendu cette histoire d'expansion bien trop souvent. Et à chaque fois qu'on a essayé, ça s'est soldé par des morts. Ah, qui sait, peut-être que cette fois ce sera différent. Garde donc tes rêves pour toi, gamin. Tu vivras plus longtemps. Oh merde!
Homme à terre! Homme à terre! Déployez-vous! Oh bordel! Déployez-vous! D'accord. Je vois que tu préfères la jouer à la dure. Enfoiré! Qu'est-ce que t'as, mec? Oh, merde!
Je crois. Que tu ne toucheras jamais à cette distance. Ah.
cap sur l'infini et au-delà. La survie à tout prix. Excuse-moi. Ça va être Starlight. Tu sais, la BD que je lis. Le héros dit ça après une grosse bataille. La survie à tout prix. Ouais. Ok. Prêt ? Quel est le comble pour un facteur ? Bah, c'est d'être timbré. C'est quoi ça ? Un livre de blagues, sans mauvais jeu de mots, volume 2, de Will Livingston. Allez, on avance. Alors, on dit que le comble pour un boulanger, c'est de se faire mener à la... baguette. Ouais, je vois. Alors, quel est le plat préféré des cannibales ? C'est le croque-monsieur. Oh mince, ça m'a donné faim. Selon toi, quel est le cocktail le plus explosif ? Et ça te fait rire ? Le Molotov. J'aime pas me faire passer un savon, surtout sous la douche. Ok, je la connaissais pas, celle-là. Ok, j'ai plus de blagues. Alors comme ça, t'aimes lire, hein ? Oh, tu veux dire que je suis pas les chasseurs ou les infectés ? Ouais, je lis tout le temps.
Il faut vraiment être cinglé pour prendre des soldats. Quand ils sont désespérés, les gens sont capables du pire. Et les gens qui se sont rebellés, c'est ceux contre qui on se bat maintenant ? C'est bien possible. Allons voir où ça mène. Fais attention en sautant. Son camp. C'est bon. Je crois pas qu'il nous ait vus. Voilà le pont. On est un peu plus près. Enfin, je crois. Il faut continuer. Allez. Et voilà. J'espère que celle-là cache un truc bien. Avec ce genre de raisonnement, personne n'en sort gagnant. Tu m'aides à monter, je peux déplacer cette planche. Reste là. Je vais voir où ça mène. Cale cette planche comme eux.
Ok. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de monter. Oh, ça pue ici. Ouais, le bois est pourri. T'allais souvent dans les cafés? Et comment? J'y passais mon temps. Et tu prenais quoi? Bah, du café. Les chasseurs sont partis. On va vite le savoir. C'est bon, Ellie, descends. Oh, c'est chic. T'es allée dans ce genre d'endroit? Enfin, avant tout ce bordel. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Oh, ça devait être chouette. Je parie qu'on peut monter. Non, c'est trop haut. Voyons ce qu'on peut trouver. Je voudrais une chambre pour la nuit, et donnez-moi votre plus belle suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, montez donc mes bagages. T'es vraiment bizarre. Oh, ça me manque le café.
il y a une échelle ici. Vas-y, monte. Ok, on va se détendre un peu. Monsieur et Madame Duff ont un fils. John. Oh. Tu sais ce qui tourne par rond ? Les carrés ? Ouais. C'est trop drôle. Qu'est-ce qu'un chalumeau ? J'en sais rien, dis-moi. C'est un dromaludaire à deux bosses. Je comprends pas. Comment appelle-t-on un citron en retard ? Un citron pressé. J'adore. Bon, j'ai fini. Pour l'instant. Fais attention. Merde! Baisse-toi, baisse-toi! Attends, ça fait combien déjà? 5-7 semaines. Mais je me plains pas. Sergent Boulpa, c'est fini? Il y a un dernier étage à fouiller. Pourquoi faire? On n'en voit plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe, et on va continuer à faire gaffe. Bon, finissons-en, ok? Bon, peu importe.
Ouais. Écoute. Putain. Oh merde.
Eh ben, il s'en est fallu de peu.
On dirait qu'ils sont allés au plus facile. Non, ça n'a rien de facile. Ils voulaient juste éviter qu'un claqueur ou un chasseur le fasse à leur place. Ça n'a rien de facile. Crois-moi. Voyons où ça nous mène. Ça va être serré, mais tant pis. Ok. À grimper, ok? On y va. Allez!